Bonjour à tous. Donc, on va commencer les méthodes numériques pour calcul approché d'une intégrale. Donc là, je vais vous donner un petit peu ce qui existe, euh, ou bien du moins ce que vous, je vais vous présenter pour, euh, dans un premier temps. Donc, euh, comment on fait pour calcul approché d'une intégrale euh, de l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Donc, f de a à b donc k continue. Comme ça, elle a au moins une primitive. On va Considérez la subdivision, a0 égale a, a1 c'est a0 plus le pas, puis ai c'est a plus i fois le pas, etc. Avec la différence de deux termes successifs, c'est le pas. Et par la relation de Charles, on a que l'intégrale de a b, de x, x. c'est la somme pour i égale 0 à n-1, de, de quoi bah De l'intégrale de ai à a, ai plus 1 f de x, x Voilà. Alors, on va voir la méthode des rectangles. Il y a celle à gauche, donc où vous approchez l'intégrale de a i plus 1 f de x dx par b moins a sur n f de ai. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Vous prenez le point extrémité gauche de, des rectangles. Et puis, vous avez la méthode à droite où vous approchez l'intégrale par b moins a sur n fois f de ai plus 1 par le point à droite. Vous avez la méthode du point milieu, donc c'est intégrale de a I, a i plus 1 f de x dx, vous allez l'approcher par b moins a sur 1 toujours, et f de a I plus a, I plus, a I plus 1 sur 2. Donc c'est le point milieu. voyez Et puis vous avez la méthode des trapèzes, donc où vous allez approcher l'intégrale par le pas fois f de AI plus f de AI plus, plus 1 sur 2, qui va être l'air d'un trapèze, donc petite longueur plus grande longueur divisé par 2. Voilà quand vous avez. Alors, commençons par la méthode des rectangles. On va écrire ce que c'est, on va donner l'erreur, on va donner l'incertitude. Cette méthode consiste à approcher l'intégrale par la somme de Riemann Sn, tout simplement, pour un certain n. Bon, la somme de Riemann, pour un certain, si vous êtes à droite, à gauche, donc lorsque f c est c1, on peut facilement majorer la différence entre la somme de Riemann et l'intégrale. A à gauche, c'est ce que j'ai vu, donc euh, c'est ce qu'on a vu ensemble, voilà. Et puis à droite, euh, c'est f de A i plus 1. Donc, l'estimation de l'erreur, donc je prends f de a, b dans k, une fonction de classe C1. Alors, ça, c'est un lemme qui va nous servir pour montrer, euh, trouver, trouver l'ordre de cette méthode. Alors, vous dites que l'intégrale de a, b, f de x dx moins b moins a fois f de a, en valeur absolue, c'est majoré par m1 fois, sur 2 fois b moins a au carré. Ou m1, c'est le max de f prime de x hein, en valeur absolue sur a. Alors tout d'abord, l'intégrale, remarquez que l'intégrale de AB, F de A dx, F de A constante est fois b. -A. Ok Alors, important aussi que F est C1 sur AB donc implique que F est lipschitzienne. Donc ça, je vous laisse réfléchir. F est C1, donc F' est continue. Mais F' est continue sur AB, donc F' est euh, borné et atteint ses bornes. Et. Euh, et avec ça, vous avez l'inégalité des accroissements finis et qui, qui vous donne, qui vous donne la, que f est difficile. Donc, comme f est c1, l'inégalité des accroissements finis vous donne f de x moins f de a b inférieur à sup de f prime de t fois b moins a. Laissons-le de côté. Donc, l'intégrale de a b moins b moins a f de a. Donc, ça, c'est l'intégrale de a b f de x moins f de a entre parenthèses dx. Seulement parce que vous avez euh, ça. Vous remplacez f de a fois b moins a par l'intégrale de a à b. Vous allez avoir la même. Et là, vous majorez par l'inégalité triangulaire en valeur absolue de différence. Là, vous appliquez l'inégalité des accroissements, donc inférieure à m1 qui va être le sup, le max, etc. fois l'intégrale de a à b, x moins a. Et là, vous avez une primitive, c'est x moins a au carré sur 2 entre a et b. Donc c'est m1 fois b moins a au carré sur 2. Donc on a majoré notre résultat par ça. Voilà. Alors maintenant, l'incertitude pour la méthode des rectangles, on vous dit que f donc, euh, de a b dans k, c 1, avec a inférieur à, à, à b. Alors, pour tout un n dans n, l'intégrale de a b f de x dx moins b moins a sur n f de ak, tout ça, on va le majorer majoré par m1 b moins a au carré sur 2n. Avec m1, c'est le max de f prime de x, on va le Et c'est une méthode d'ordre 1. Allez, c'est parti. Donc on va. Quel que soit k dans 0, n, on va faire notre différence, ça, moins b moins a sur n, fois la somme pour k égale 0 à n f de ak. Donc c'est pour ça que je me disais qu'il y a quelque chose qui manque, donc ça, et là, il y a une somme. Alors, il faut savoir par la relation de Schall que l'intégrale de a b, c'est la somme pour k égale 0 à n moins 1, ak à k plus 1, f de x, de x moins b moins a sur n, fois la somme. Mais il ne faut pas oublier que AK, B moins A sur N, c'est le pas, mais c'est aussi AK plus 1 moins AK. Donc euh, c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai sorti la somme ici devant, et j'ai l'intégrale de AK plus 1 f de x dx moins AK plus 1 moins AK fois f de AK. Et là, donc euh, valeur absolue de ça, tout ça, c'est inférieur à la somme valeur absolue de tout ça et là j'utilise le résultat du lemme précédent donc ça c'est inférieur à m1 fois ak plus 1 moins ak le choix au carré sur 2 donc ça fait m1, ak plus 1 moins ak c'est b moins a sur n donc c'est b moins a au carré sur 2n carré et là vous sommez des constantes euh, n fois, donc vous simplifiez par n vous tombez sur m1 fois b moins a au carré sur 2n donc c'est bien de l'ordre en 1 sur euh, n. alors Attention, cette méthode n'est vraiment pas très efficace. En effet, l'erreur de la méthode est en 1 sur, 1 sur n. Si on veut avoir une valeur approchée à 10 moins p près, il faut faire 10 puissance p calcul. C'est énorme, énorme. Alors, un petit alg algorithme Python pourrait un petit peu répondre. Donc, on définit une fonction rectangle, en entrée f, les extrémités et le nombre de points de la subdivision. C'est à vous de. Voilà. On fait une somme s qui nous intéresse à 0 et le pas c'est b moins a sur n et on fait une boucle pour i allant de 1 de 0 à n moins 1 s c'est s plus f de a et a devient a plus le pas et au retour vous allez faire s fois le pas ça fait exactement le pas qui est là s c'est cette somme et là c'est le f de a donc euh, la méthode du point milieu donc euh, c'est la méthode qui va permettre en quelque sorte d'approcher l'élément au milieu. On va essayer de la faire à part. Allez, on va s'arrêter là.